Dans la vidéo, ça, nous allons aller remplir la section compétences. Dans la section, ça, c'est l'occasion que vous-même qui avez demandé le travail, vous avez une chance pour raconter qui ça a fait jusque-là ou bien qui ça a cherché. Et puis, vous avez ajouté qui ça a fait bien. Ou mettre café 5 bagailles, très bien, 10, 20, ou choisir compétence qui allait avec mon travail qu'on cherche. Si on cherche un travail sur la route, c'est pas la peine pour parler de cuisine. Si on cherche un travail qui par rapport au bien parler, c'est pas la peine pour parler de la coiffure. Donc parler compétences qui allaient à travailler au chercher. Moi-même, ça m'a envie de mettre là dans la section ça pour moi qu'à démontrer que tout haïtien qu'a joindre matière à utiliser pour remplir un CV, expérience ou pas, étude ou pas, que nous travaillons déjà ou pas, nous qu'à remplir un CV normalement. Alors, je vais vous montrer un exemple. Pour compétences, ça, moi, je pense que tout haïtien a écrit. Et à partir de l'exemple, ça, on a pu voir que gagner une bonne option que nous gagnons toujours. Par exemple, un pile haïtien gagne expérience pendant qu'il a grandi, que tu gagnes une boutique là, Kayo. Il te qu'on aider vendre. Il te qu'on aider acheter. Donc, un pile haïtien développer technique de vente ou bien technique d'achat. Un pile haïtien, ça fait deux compétences, vente et achat, même si c'est à l'échelle d'une boutique dans Kaila. Une autre compétence que un pile haïtien gagne, c'est surtout pour filles, c'est la coiffure. Donc nous dit vente, achat, coiffure. En pile haïtien qu'a organisé un événement. Organiser événement dans l'église, événement dans l'école, aider, participer, tout ça. Mais quel sens de l'organisation? Donc, ça sont compétences liées. Et puis, gagner la cuisine. Mais pour CV ça, nous parler avec une compétence que en pile haïtien gagne. Ces compétences qu'a vendre nos bagages là. On nous mettait que comme compétences habituées à seconder la famille. Dans la vente d'épicerie de quartier, je recherche un poste. Me permettra de d'appliquer mon savoir-faire tout en restant ouvert à une évolution
possible dans l'entreprise pour en faire carrière. Je serai disponible pour un poste dans la vente. Voilà. Ça, nous avons écrit pour compétences. La prochaine vidéo, nous allons considérer l'autre section dans CVA.